Bonjour. L'analyse des flux et par la suite leur transcription en comptabilité nécessite une bonne maîtrise de la terminologie comptable. En effet, un terme du langage courant aura souvent dans la bouche du comptable une signification différente de son sens commun. En particulier, les termes suivants, qui désignent différentes catégories de biens, ne devront pas être confondus. Matières premières, produits finis, marchandises et immobilisation. Définissons-les. Alors, une matière première est un bien acheté par l'entreprise qui est destiné à entrer dans un processus de fabrication et donc à être transformé. Un produit fini est un bien fabriqué par l'entreprise et qui est prêt à être vendu. S'il n'était pas prêt pour la vente, on parlerait par exemple de produit semi-fini. Une marchandise est un bien acheté par l'entreprise pour être revendu sans transformation, en l'état. Par conséquent, on parle de marchandise dans une entreprise ayant une activité commerciale qui achète pour revendre. Enfin, une immobilisation est un bien durable dont l'entreprise est propriétaire. Illustrons ces notions avec l'exemple suivant. Une boîte de petits pois. Comment sera-t-elle qualifiée dans une grande surface? Eh bien, elle sera qualifiée de marchandise. Car celle-ci, la grande surface, se contente d'acheter la boîte et de la revendre sans y apporter de transformation. Pour son fabricant, eh bien lui parlera de produit fini, car lui a fabriqué la boîte de petits pois. Pour ce même fabricant, les petits pois sans la boîte constituent ses matières premières. En effet, il va transformer les petits pois pour ensuite pouvoir les vendre dans une boîte de conserve. En revanche, pour l'agriculteur qui a la sueur de son front à amener ses petits pois à maturation, eh bien ces derniers constituent des produits finis. Enfin, pour le restaurateur qui achète la boîte de petits pois à la grande surface et qui va les transformer en un plat, eh bien ce seront, là encore, des matières premières. Par conséquent, nous pouvons retenir qu'en comptabilité, un même bien pourra être qualifié différemment selon l'entreprise dans laquelle il se trouve. Reprenons ces notions dans l'exercice suivant. Dans chacune des situations décrites dans le tableau suivant, précisons quelle terminologie choisira chacun des deux agents économiques, en l'occurrence le fournisseur et le client, pour décrire l'opération. Donc, nous choisirons nos réponses parmi les possibilités suivantes. Acquisition d'immobilisation, achat de matières premières, achat de fournitures consommables, achat d'études et prestations de services, achat de marchandises, vente de produits finis, vente de produits résiduels, vente de marchandises ou vente de prestations de services. Précisons, puisque nous n'avons pas encore rencontré ces deux expressions, que les fournitures consommables correspondent à ce que l'on nomme couramment les petites fournitures et que les produits résiduels correspondent à des déchets ou des rebuts de fabrication. La première situation est la suivante. Monsieur Dubois, propriétaire d'un magasin de mobilier, achète des meubles à son fabricant, Monsieur Dufour. Plaçons-nous tout d'abord chez le fournisseur, c'est-à-dire Monsieur Dufour. Monsieur Dufour est fabricant, par conséquent, il vend des produits finis. Pour le client, cette fois-ci Monsieur Dubois,
qui va se contenter de revendre les meubles qu'il a achetés, il s'agit d'un achat de marchandises. Une grande surface achète des bicyclettes à son fabricant Lenoir. Le fournisseur Lenoir est un fabricant, par conséquent, il vend des produits finis. La grande surface qui va se contenter de revendre les bicyclettes achète, quant à elle, des marchandises. Une grande surface vend des stylos, gommes, enveloppes à l'entreprise Leblanc qui les utilisera dans ses services administratifs. Pour la grande surface qui n'a pas fabriqué les stylos, gommes ou enveloppes, il s'agit d'une vente de marchandises. L'entreprise Leblanc utilisera ses stylos, gommes et enveloppes dans ses services administratifs. Ce sont donc des petites fournitures ou fournitures consommables. L'entreprise Market Info livre une étude de marché à l'entreprise Pilou. Pour Market Info, il s'agit d'une vente de prestations de services. Pour l'entreprise Pilou, il s'agit de l'achat d'études et de prestations de services. L'entreprise Bois Déco achète de l'huile de graissage pour ses machines-outils au fournisseur Leblanc qui la fabrique. Leblanc est fabricant, par conséquent, pour ce fournisseur, il s'agit d'une vente de produits finis. En revanche, pour l'entreprise Bois Déco, il s'agit d'un achat de fournitures consommables. Le fabricant de cycles Lenoir achète du caoutchouc au fabricant Pirello. Ce caoutchouc lui servira à fabriquer des chambres à air. Pour le fournisseur Pirello, qui est fabricant, il s'agit d'une vente de produits finis. Pour l'entreprise Lenoir, qui va se servir du caoutchouc et le transformer, il s'agit d'un achat de matières premières. Une grande surface achète des boîtes de conserve à son grossiste Le Rouge. Ici, nous parlons de grossiste. Le grossiste a une activité d'achat et de revente. Par conséquent, pour le fournisseur Le Rouge, il s'agit d'une vente de marchandises. Pour la grande surface qui se contentera de revendre également les boîtes de conserve, il s'agit d'un achat de marchandises. Le fabricant de sucre Gluco vend le résidu issu du broyage de la canne à sucre à une grande surface qui le revend comme engrais au rayon jardinage. Pour le fabricant, il s'agit d'une vente de produits résiduels, puisque ce qu'il vend est un résidu issu du broyage de la canne à sucre. Pour la grande surface qui le revend comme engrais au rayon jardinage, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un achat de marchandises puisqu'elle se contentera de remettre en rayon les sacs d'engrais qu'elle aura achetés à son fabricant Gluco. Monsieur Duvent, artiste, fait des compositions de collage. Pour cela, il achète des journaux au kiosque de Monsieur Gérard qu'il découpe pour réaliser ses œuvres. Monsieur Gérard tient un kiosque à journaux. Par conséquent, il ne fabrique pas ce qu'il vend, il s'agit pour lui d'une vente de marchandises. Pour Monsieur Duvent, qui lui va transformer les journaux en œuvres d'art, il s'agit d'un achat de matières premières. Enfin, l'entreprise France Montre, fabricant de montres, achète du cuir au fabricant Rico pour fabriquer les bracelets de ses montres. Pour Rico, qui est un fabricant, il s'agit d'une vente de produits finis. Pour l'entreprise France Montre, qui va intégrer le cuir dans la fabrication de ses montres, il s'agira d'un achat de matières premières.